Les codes ne se trompent jamais, c'est le football qui les contredit. Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du WFC. Je suis très content, je suis très heureux d'être avec vous. On est ensemble, on est là, c'est mercredi. On est en plein cœur du début de ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions avec l'entrée en lice du seul club français encore présent dans ces huitièmes de finale. On va en parler aussi de la prestation de Manchester City hier. C'était cool, Manchester City s'était imposé hier du côté de Copenhague. Ça va être bien, on va en parler là pendant une petite heure. Ça va être un petit warm-up avant la grande soirée parisienne. Walid Acherchour, bonjour. Salut Romain, salut Elton, salut les Winami, Walid Acherchour, une de plus. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est dans sa Ligue des Champions et prêt pour ce soir parce que je faisais ma petite revue de presse dans le métro là. Au passage, le métro, ce qui est en train de se passer là, c'est catastrophique. Ouais, parce qu'ils ont trouvé le moyen de supprimer la 14 jusqu'au 25 février. Ouais, très bien, deux semaines. La 14, ouais, deux semaines. La 14, fermée. Non, ça ne peut pas travailler de manière partielle. Excusez-moi, c'était mon avis tranché, donc tu ne me le prends pas. Ouais. Donc là, t'es le mec comme ça. La 14, fermée jusqu'au 25 février, et à partir du 16, les 7 derniers arrêts de Créteil-Ballard, fermés pendant 2 semaines aussi. D'accord. Et en fait, moi, pour aller à RMC, c'est Ballard. Ah. Donc, je sais pas comment je vais faire. Et la 14, en fait, vu qu'il n'y aura pas la 14, la 13 que je prends pour venir ici sera bondée. Déjà qu'elle est bondée, elle sera bondée parce que tous ceux qui vont pas sur la 14, ils vont prendre la 13. Donc, voilà, au passage, très belle gestion. Je sais pas si c'est avant les JO ou si à cause des JO. La 14 est en rénovation pour justement les Jeux Olympiques. Ok, très bien. En espérant qu'on passe des très très bons JO avec ça. Parce que là, ils ont intérêt. Là. Voilà. Non, on les a tous autour. Je suis pas sûr de ça, mais bon. Bref, pour revenir sur ce que je disais, j'étais dans le métro. Oui. Et je me suis fait un petit peu ma revue de presse, etc. Et j'ai lu notamment le très bon papier de Dan Pérez sur les clés tactiques de la rencontre. Ouais. Sur la Real Sociedad. Ouais. Et je me suis dit, purée, tu vois, je suis confiant sur le PSG. Mais ce soir, il peut se passer une dinguerie quand même. Ah bah oui, après, c'est le principe d'un match de football. Tu sais, je lisais un peu le truc et tout, et je me disais, mais purée, t'imagines le PSG ce soir, je sais pas, ils font un mauvais résultat. Faut que je me conditionne aussi, en tant qu'éditorialiste, sur la possibilité que ce soir, le PSG. Il peut y avoir, faut pas être pris de coup. Alors que moi, tu sais, je suis ultra confiant et tout, etc., mais qu'il peut avoir et contre la Real Sociedad. Et qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dira? Donc voilà, je voulais vous le partager. Le football, c'est le plaisir de l'escalier. Tu sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Bonjour. Avec les connaisseurs qui connaissent, les connaisseurs sont de la Trésor 3. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce mercredi. Joyeux Saint-Valentin à tous. Ouais, c'est vrai. Le gars qui. Redogator, grave et grande question du jour pour les supporters du PSG. Comment regarder le match en sauvant son couple? C'est facile. Ouais, ça fait 6 ans que c'est comme ça. Je vous donne l'astuce. Alors non, c'est 4 fois en 8 ans. 4 fois en 8 ans. Fois sur deux, quoi. Je vous donne l'astuce. L'astuce, c'est chérie, on va pas faire ça le 14, c'est une fête commerciale. Viens, on fête notre couple 2-3 jours plus tard. Exactement. Ça, c'est moi, perso, c'est dimanche. Voilà. Ça va être c'est beau. C'est beau. Et voilà. C'est une belle. C'est un symbole. Moi, ce qui est bien, c'est que ma femme, elle est partie une semaine au ski là, avec sa mère, donc. Et moi, je lui ai dit non. Évidemment, en fait, t'as déjà fait du ski, toi? Non, jamais fait de ski. Je sais pas pourquoi je te vois pas du tout sur une jamais, fait jamais. Pour moi, les vacances, c'est au soleil. Mais exactement. Mais moi, le concept du ski. Ouais, mais bon, après, chacun. Apparemment, c'est extraordinaire. Ouais. Apparemment, moi, j'aime bien, moi. Enfin, j'aime bien. J'aime bien un petit dose, mais j'aime bien. Apparemment, raté. J'ai eu ma famille hier. Apparemment, à 18h30, il n'y a plus rien, en fait. Il ne se passe plus rien parce qu'en fait. Ah, il fait nuit. Non, mais parce que. Il doit fermer tous les. En fait, leur chalet est un peu plus loin que le centre-ville, les téléskis, etc. Ah, les téléskis. T'es devant la donc, télé. Voilà, donc en fait, ils font des soirées Netflix le soir. À 20h, mais bon, bref. Mais tu dépenses pour ça. Voilà, mais bon, bref. Mais bon, la neige, c'est super. Ils se font les batailles de neige à 10h, voilà. C'est super. Le ski, c'est autant pour la glisse que pour les soirées qu'il y a après. C'est-à-dire que quand tu vas au ski avec des potes, c'est vrai que c'est sympa. Les raclettes, le vin chaud, tous les trucs. Les raclettes, tu peux aussi les faire à la maison. Ouais. Bah, t'es dans l'ambiance, non, t'es dans l'ambiance. Parce que là, c'est pas les raclettes, genre avec le petit four à raclette et tu mets ton petit truc avec ta spatule, etc. Après, non, c'est des grandes raclettes avec les énormes meules de fromage, là, et tu racles directement. Après, le problème, c'est que moi aussi, par exemple, par rapport à la raclette et par rapport à la fondue. T'es un peu plus limité. T'es un peu plus limité en termes de charcuterie et de vin chaud, t'es un peu limité, c'est vrai. Par rapport au vin chaud. Mais c'est pour ça. Je n'osais pas le dire. Je préfère faire 4 jours à Marrakech, quoi. Oui, voilà. Je n'osais pas le dire, mais c'est vrai que l'expérience client n'est pas la même. Exactement. À part si vrai.
l'entraînement, je dois aller ramener ma charcuterie, tu vois ce que je veux dire. Mais très bon. Ouais, ouais, non, il y en a qui le font, il y en a qui le font. Les mondiales sont très bons. Ouais, voilà, je pense aussi, mais bref, mais ça demande une logistique quand même très très différente. Très importante. Ouais. Ouais, si je veux ramener mon jus de raisin. Mais bon, bonjour. Mais bon, une raclette au champomy. On parlait de quoi? On parlait de quoi avant ça? Avant le ski? Ouais, et donc en fait, elle m'a dit ça, elle me dit ouais, mais t'inquiète, de toute façon, on la fera la semaine du 24, on se fera un restaurant, ouais, on fera un truc, etc. Et puis je lui dis, non, moi, c'est le 14. C'est moi. Le 14, ouais. J'ai jamais fait 14. Non, c'est le 14. C'est soit le ski, c'est toi qui as voulu. Alors que ce soir, il y a rien eu. Elle est beaucoup qui a payé, j'ai rien. Moi, je lui dis, non, 24, pour moi, ça n'a aucune saveur. Ça, toi, je les chébrons comme ça, je fais ça aucune saveur, etc. Ouais, c'est pas pareil. Ah non, c'est pas pareil. Alors, tous ces anniversaires, on les a fait deux jours après. Tous les, c'est tout. L'anniversaire de mariage. Tout, anniversaire de mariage. Partir, wow. On t'a rien demandé. Exactement. Mais là, comme j'étais du bon côté, là, j'étais du bon côté. Là, t'as gagné, là. Et là, elle est comme une dingue. J'aimerais bien voir Elton à l'œuvre en train de séduire une femme. Moi, je séduis pas, moi. Ah bon, tu te fais séduire? Ouais, lui, il se fait séduire. Ouais. Lui, il se fait séduire. Moi, je séduis pas. Ouais. Moi, je séduis pas. Ça marche bien pour le moment ou pas? Non, moi, je séduis pas. Saint-Valentin, c'est avec qui cette année? C'est avec vous. Ah oui, c'est avec vous. Ça marche bien. Ça marche vachement bien. J'ai beaucoup d'estime pour vous. Oui, bien sûr. C'est quand même mieux. Ensemble. Non, moi, il y a une paix sociale à tenir, tu vois. Après, nous, là, c'est un peu plus facile parce que maintenant, c'est le boulot. Ouais, on exactement, travaille, tu vois, c'est le boulot. Moi, je pense à ceux qui ne travaillent pas dans le foot. Et là, ça doit être compliqué. C'est pour ça que j'ai fait. Tu dois te la coltiner. Non, c'est pour ça que j'ai fait de la poterie la semaine dernière, moi. Ah oui ? Il y a eu 3 matchs au Parc des Princes en une semaine, où 3, je devais y aller, plus Ligue des Champions soir de Saint-Valentin. J'étais obligé de. Parce qu'on va pas dire ici, parce qu'ils nous écoutent pas, etc. Mais moi, elle écoute, moi. Elle écoute, c'est très bien. Et j'ai adoré ce moment poterie, ma chérie. Ah, d'accord, ok. Ouais. Moi, je vais te dire. En fait, c'est comme. Non, je vais pas dire. Si, dis. Non, t'es lancé. Non, en fait, t'es lancé. En fait. Vas-y, balance ça, connerie. En fait, c'est quand même des travaux d'intérêt généraux. Oh, attends, Non, moi, je suis pas avec lui. Non, je suis pas avec lui, moi. C'est des travaux d'intérêt généraux. Non, je suis pas avec lui, moi. En fait, tu sais, t'as dit les termes. Quand tu fais trop de conneries, tu essaies de faire de la poterie. Non. Tu prends une pelle. Je suis pas là. Allez, tiens. Ouais, il faut faire de la poterie et tout. Activité poterie par contre pendant 3 jours Arthur, si tu veux voir 3 matchs du PSG. Arthur, mets la caméra sur moi s'il te plaît. Je me désolidarise complètement de ce que vient de dire Walid. Ce ne sont pas des travaux d'intérêt généraux, c'est du plaisir. Non mais je parlais de ce qu'il disait, hein. Moi ça n'a rien à voir avec moi. À chaque fois c'était parti de plaisir. Non, parce que spontanément tu serais parti faire de la poterie. Exactement. Si on me le propose. Non, je te dis spontanément toi. Si t'avais pas spontanément été toi, est-ce que t'aurais eu l'initiative de la poterie? Moi, je n'ai pas d'initiative de ce genre-là, puisque je préfère faire plaisir. T'as vu comment il détourne? T'as vu comment il détourne? Plaisir. Non. Donc, je vais pas essayer d'inventer des trucs qui me disent je suis allergique à la peinture ou un truc dans ce genre-là. Non, si on me propose et que je vois que la personne en face de moi est hyper enjouée à l'idée de faire ça, ça me Romain, tu changes les termes de la question. J'ai été dit spontanément. Est-ce que toi, t'aurais eu l'initiative d'aller faire de la poterie? Non, jamais. Non. Voilà, c'est quel. Je suis en train de voir la phrase de Gaël Dix. Faut que je travaille pour que la juge me donne de la condition. Il y en a dit, c'est des tiges. Travaux d'intérêt généraux. Entre la poterie et le Parc des Princes, c'est quoi la préférence? Pour voir ma moitié heureuse, c'est la poterie. Ouais. Et pour le travail. Voilà, pour la voir heureuse, pas toi. Et pour le travail, c'est le Parc des Princes. Mais toi, dans tout ça. Mais elle sait très bien. Elle sait très bien que je préfère aller au Parc des Princes que faire de la poterie. Ouais. Mais justement, ça décuple. Exactement. Ma bonne intention. Ouais. Donc voilà. Romain préfère aller à la poterie que regarder un match de la CAN. Tu vois, c'est à cause de toi, hein, Walid. Non, mais non, pas du tout. Mais moi, il y a un débat à faire là-dessus sur rendre heureux ou rendre heureuse sans l'être. C'est-à-dire que moi, par exemple. Donc toi, t'es pas heureux. Et toi, ça te rend pas heureux quand ta femme est heureuse. Mais si, mais non, t'es pas heureux. Ça me rend heureux. Mais la réalité, c'est que moi, ma femme, elle aime pas un match de foot. Je vais pas la mettre devant. Tu vois, ça me ferait rien que ma femme, elle vient. Une fois, elle est venue à Bauer. Une catastrophe. Ouais. Une fois, elle est venue à Bauer, elle m'a tué mon Bauer. Mais elle aussi,
Elle était pas heureuse. Ouais. Elle a tué ton bonheur. Non, mais elle m'a tué mon bonheur. Si, elle a tué ton bonheur. Je te raconte, je vais te raconter. Raconte. Ah, au bout de la 25e minute, elle me dit on va prendre deux sandwichs merguez. Tu vois. Ah ouais, mais en fait, à la base, je lui dis viens, on va à la mi-temps. À la mi-temps, il y avait trop de queue. Donc, je lui dis quoi? Bah, viens, on va pas aller à la mi-temps, on va aller à la 60e. Chose que je fais jamais. Le problème, c'est que je vais ramener un sandwich à la 60e minute. Il y a but. Je loupe un but. Ça, et moi. Moi, voilà. ça me met hors de moi. Ouais, c'est et je loupe un but contre le Red Star. En plus. Alors qu'il y avait un 0, etc. Il y a un partout. Je me rappelle, c'était le match contre Marine Gignac. Je lui ramène le sandwich. Ouais. Et tu sais, genre, elle est pas contente, tu vois ce que je veux dire. Elle est là et tout. Et moi, je suis là, je suis comme un dingue. Et il y a un mec à côté qui lui dit, je sais plus quoi, qui lui dit, ouais, en fait, elle fait tomber son sandwich. Tu vois, et moi, j'ai attendu 5-6 minutes. Et au bout de la 60e minute, elle me dit, j'ai froid, etc. Ouais. J'ai envie de partir. Donc en gros, on rentre. Mais en fait, elle a pas passé un bon moment. Ouais. Elle s'en fout du resta, elle s'en fout de bonheur. Et moi, j'en ai pas passé un bon moment. Pourquoi tu l'as amené alors? Parce que, hein? Pourquoi tu l'as amené alors? Mais parce qu'elle voulait venir. Mais moi, alors moi, mais tu en, vois. En gros, c'est-à-dire que quand toi demain. Moi, ça m'est arrivé deux fois. Demain, tu fais de la pote. Je l'ai amené deux fois au stade. Mais moi, même si elle me fait plaisir en allant au stade avec moi, si elle passe un mauvais moment parce que ça ne la fait pas kiffer comme moi je kiffe, tu vois ce que je veux dire? Alors moi, et après, on va passer à l'émission parce qu'il est déjà tard. Mais moi, il y a deux trucs. Quand j'ai fait la poterie, j'ai fait une poterie de Gérone. Ouais. Donc, je me suis fait kiffer comme ça, tu vois. D'accord, ok. Et elle, je l'ai emmenée deux fois au stade. Je l'ai emmenée une fois à Gérone et une fois au parc. Mais à chaque fois, elle a trouvé des trucs hors foot. Alors, bien sûr, on n'a pas parlé tactique, hein, tu vois. Mais elle a trouvé des trucs hors foot qui l'ont fait kiffer. Au parc, c'était le burger avec le tampon Paris Saint-Germain dessus. D'accord, ok. D'accord, ouais, c'est une discussion comme une autre. Et à Gérone, elle a kiffé elle regardait, puisqu'on était au troisième rang quasiment en bord de touche, c'était contre Villarreal. Et elle kiffait, parce qu'il y avait un supporter de Gérone qui était quasiment contre la barrière et qui tapait sur les panneaux publicitaires pour que ça fasse du bruit à chaque fois qu'il y avait un joueur de Villarreal qui était dans le coin. Donc ça la faisait marrer et voilà. Vous auriez pu parler de la géante aussi. Mais donc, elle n'y était pas là, la paille géante. Ah. C'était pas ce jour-là, c'était que pour l'ouverture de la saison. Donc, faudrait faire un sketch un jour des questions des femmes qui connaissent rien au foot et dans un stade, qui rendent fou. Ouais, c'est marrant, moi, je trouve ça. Faudrait pas faire un sketch, c'est un livre. Après, c'est quand même mieux, parce que si tu tombes sur une femme qui connaît le foot. Ah ouais, c'est vrai, c'est aussi. Ouais, ouais. Moi, je suis très content qu'elle ne connaisse pas. Moi, je suis très content qu'elle ne connaisse pas le foot. Ça fait du bien. Fait à un moment donné, tu vois. T'imagines la. J'en parle tous les jours, tu vas pas en plus me parler. T'imagines ma femme marrante. Avoir un avis tranché. Ouais, c'est ça. Un avis tranché à moi, m'en parle, elle me dit ouais, tu racontes n'importe quoi, etc. Ou si elle me dit, prends une sauce. Pas d'accord, du contre-pressé. Il y a Cred, il a dit, t'imagines, t'es là avec ta meuf, elle commence à te parler de Half-Face. Non, mais non, t'imagines, moi je prends une sauce sur les réseaux sociaux pour un avis, etc. Tu dis, ouais, c'est vérité. Ouais, c'est vérité. Tu piques rien au foot, etc. Tu vas dormir sur le canapé, on commence à m'expliquer la vie et tout. Je deviens fou. Allez, programme de l'émission. On va parler de Ligue des Champions, on va parler du Paris Saint-Germain. Est-ce que la préparation du Paris Saint-Germain est sereine? Est-ce que vous trouvez qu'il y a un bon mood autour du PSG? Est-ce que le PSG est plus prêt que les saisons précédentes avant ce 8e de finale? Quelle importance à Luis Enrique? Sera la deuxième partie de ce débat PSG. Est-ce que c'est la force tranquille du Paris Saint-Germain? Il y a pas mal de déclarations, que ce soit hier en conférence de presse ou après celle de Lille, où il a voulu un peu dédramatiser, normaliser ce rendez-vous. En tout cas, est-ce que la sérénité de Luis Enrique peut transpirer sur l'institution Paris Saint-Germain, qui a plus montré des défaillances mentales sur les dernières saisons? Ensuite, on fera le débrief du match entre Manchester City et Copenhague. Victoire 3-1 des Citizens. But encaissé via une bourde d'Ederson. Non, c'est pas vrai. Est-ce qu'Ederson est le maillon faible de Manchester City? On se posera cette question-là. On parlera aussi du trio de Bruyne, Bernard. On invitera Laurence Boccolini à ce moment-là. Ouais. Dans le trio, tu peux rajouter un quatuor. Et puis j'ai mis trio de créateurs. Ouais, et puis 5 mecs, et puis 6 mecs, et puis en fait 10 joueurs. Ouais, 10 non, mais joueurs. Ouais. Trio de créateurs entre Bernardo Silva, City et De Bruyne. Est-ce qu'il y a mieux? Ouais. Bernardo Silva, Foden et De Bruyne. Est-ce qu'il y a mieux? D'accord. En termes de créateurs. Ok. Et puis on terminera avec les coups à tenter du jour. Est-ce que Tuchel peut se faire virer en cas de défaite à la de drame? Ah, t'aimerais ça, toi. C'est marrant. Vous avez vu hier ce qu'il a dit sur Non, mais visiblement, attention, c'est quand t'as la déclaration entière, ça sonne pas pareil. Bah, tu l'as vu? De ce que j'ai vu. Ouais. Bah, il y a la vidéo quand même. Il y a la vidéo de la déclaration. Ouais. Il dit Serge. Ah, Gnabry. Ah, Gnabry, mais non, mais je l'ai pas vu depuis la coupe. Ouais. Non, mais après, il y a une explication. Et apparemment, j'ai lu aussi dans l'équipe que. Il y a eu une grosse altercation avec un journaliste
où en gros, en gros, il lui dit que sa question ne lui convient pas, etc. Et il sort de la, conférence de presse 3-4 minutes après, énervé, foudrage. Matski Tuchel, c'était le nom que lui avait donné Paulo Breitner dans son livre, quand il avait écrit un livre juste avant, enfin, quand il était arrivé au PSG. Allez, on démarre justement par le Paris Saint-Germain, tout de suite dans la causerie. Continue les délires. Chérie, franchement, t'as vu, Inzaghi s'est fait virer de la Salernitana, c'était inévitable, avec moins de 1 XG par match. Imagine ta meuf te dit ça. Allez, le PSG qui affronte ce soir donc la Real Sociedad au Parc des Princes. Je vous montre la répartition des mises sur cette rencontre. 97% des mises quand même sur le Paris Saint-Germain. La cote est à 1,75. Elle est en train d'augmenter. Elle passe à 1,78, mais ça aussi, entre 1,75 et 1,78. Le nul est à 3,60. La victoire de la Real Sociedad est à 5,25. Trouvez-vous la préparation du Paris Saint-Germain sereine? Est-ce que le PSG est prêt pour la Real Sociedad? Vous répondez par oui ou par non sur les différents chats, sur YouTube, sur Twitch et sur le chat Winamax. Elton, qu'est-ce que tu penses de ça? Je trouve la préparation sereine, même si, encore une fois, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, le PSG est une équipe imparfaite. On l'a vu à travers plusieurs matchs, que ce soit contre Brest à deux reprises, que ce soit contre Strasbourg. Et même si tu as fait globalement un vrai bon match contre Lille, eh ben, ce n'est pas une équipe qui te donne énormément de satisfaction. Il y a de bonnes choses comme il y a de moins bonnes choses. Maintenant, quant à la préparation par rapport à la Ligue des Champions, je pense que c'est la préparation la plus adéquate parce qu'aujourd'hui, on peut considérer, je vais enfoncer une porte ouverte, le PSG appartient à l'élite du football européen. C'est-à-dire qu'à partir toujours. Que ça avait été vendu comme potentiellement, peut-être oui. Pas. Non, mais à partir de l'élite du football européen, c'est-à-dire qu'on parle d'une équipe qui est régulièrement habituée à évoluer dans ces sphères-là. Et donc, l'idée du côté de Luis Enrique, c'est de dépassionner ça, à savoir qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas nous parler d'un PSG qui doit aller loin en Ligue des Champions et tout de suite avoir, entre guillemets, une atmosphère anxiogène par rapport à un huitième de finale de Ligue des Champions. Aujourd'hui, du côté du PSG, on a une équipe qui va être compétitive pour moi et qui va affronter une équipe, entre guillemets, de moindre valeur par rapport... Et pas en forme. Et pas en forme. Donc, par rapport à ça, il faut absolument dépassionner tout ça et ne pas avoir, entre guillemets, une trop grosse pression pour se dire que le PSG va déjouer. Donc, je pense que Luis Enrique est totalement dans son rôle quand il dit que, oui, c'est un match de Ligue des Champions, c'est un privilège de jouer un huitième de finale de Ligue des Champions, quoi qu'on en dise, mais c'est pas pour autant qu'on va se prendre la tête avec une pression négative. Mais quand tu dis l'élite, ça représente quoi, l'élite? Oui, parce qu'après, l'élite, c'est le top 16, c'est en huitième de finale, quoi. C'est l'élite. Top 8, top 10, ouais, on peut le considérer comme ça. Ouais. Bon, top 8, top 10, top 8, c'est les quarts de finale, ça, ils n'ont pas vu ça depuis deux ans. Non, mais ce que je veux dire, sur le bilan des 5 dernières années, c'est pas infamant de dire ça. Oui, peut-être, oui. Top 10, oui. Ouais, pas, oui, voilà, tu m'as compris. Avant de parler, c'est pas top 10. Avant de parler du facteur Luis Enrique, Walid, d'un point de vue tactique, d'un point de vue physique aussi, parce qu'il y en a qui disaient qu'il n'y avait pas beaucoup de blessés. Effectivement, il n'y a que Kimpembe, Nuno Mendes et Skriniar qui sont blessés. Lee Kang-in n'est pas dans le groupe. Est-ce que c'est dû à ces histoires de fight avec Heung-min Son ou est-ce que c'est dû au fait qu'il est rentré hier? Pas encore. Il y a eu des histoires quand même un peu partout là, ouais, marrant, dans les sélections. Là, ouais. J'ai vu aussi la Guinée équatoriale avec Nsue. Et... Ouais, ils sont virés. On va faire attention là aussi. Ouais, on va faire attention, mais bon, je sais pas, il y a des trucs. Ouais, il y a des trucs sympas. Ouais, il y a des trucs qui vont sortir. Est-ce que tu trouves la préparation sereine si on enlève le facteur Luis Enrique là, juste tactiquement et physiquement? C'est compliqué de te répondre parce qu'en fait, oui, si on est dans la culture de l'instant après Lille, je te répondrai oui, où les signaux sont au vert. On en a expliqué, on en a parlé lundi dans le mag. Hein, on a fait en long et en large. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire préparation sereine en fait au final? Bah, il n'y a pas trop de questions, il n'y a pas trop Je suis désolé, moi, il y a une semaine, 10 jours, j'ai vu un match contre le Strasbourg où c'était peut-être le pire match du PSG en Ligue 1. En tout cas, on s'y rapprochait. J'ai vu quand même, il y a 2 semaines, un match contre Brest, le 2-partout où la deuxième mi-temps au Parc avait été catastrophique. Donc en fait, au final, j'avais vu aussi un match début janvier contre Lens où, heureusement qu'il y a le rouge, parce que je n'avais pas trouvé notamment la deuxième mi-temps assez flemmarde de la part du Paris Saint-Germain, et je n'avais pas trouvé le match dingue non plus. C'est plus sur les... Enfin, souvent, il y a des premières mi-temps qui ne sont pas trop mal, et puis après, ouais, voilà. Non, mais globalement, c'est... Alors oui, par contre, si on met ça en comparaison avec la Real Sociedad, le niveau de la Real Sociedad, même à la base, sur le tirage, où pour moi, le PSG ne doit pas se louper, et la forme de la Real Sociedad, je te dirais...
Oui, mais c'est pas la préparation sereine du PSG. C'est peut-être le rapport de force ouais. quand on voit les dynamiques entre les deux et la culture de l'instant où tu te dis bon, là t'as retrouvé les mecs, Hakimi, Dembélé, tu commences à avoir une vraie, une attaque à trois, là, Mbappé, Barcola, Dembélé, donc il y a des choses positives. Maintenant, la réalité, c'est que je trouve que c'est assez fragile. Et moi, je répète, mais comme ce que je disais tout à l'heure en débutant l'émission, moi, je suis sûr de rien avec le Paris Saint-Germain. Et je vais être très, très prudent. Parce que moi, je pensais que la phase de poule allait être bien meilleure que ça. Et pour l'instant, on n'a pas eu de garantie. Et je répète, la Ligue des Champions, c'est la compétition du jour J. Exactement. Si la Real Sociedad décide de se brancher ce soir et de faire un match solide et d'ouvrir le score, je ne sais pas comment cette équipe-là peut réagir. Moi, je suis très positif sur le PSG ce soir parce que j'estime, et on en fera tout à l'heure les coups à tenter, que cette équipe-là va gagner et elle doit gagner plutôt largement. Mais sur la préparation sereine, qu'est-ce qu'on dit à 23h ce soir? Pour moi, c'est deux choses différentes. Moi, j'ai pas une dynamique de... La question n'est pas de dire ce qui va se passer, mais juste est-ce que tu es dans les meilleures conditions pour aborder cette rencontre-là. Là, on parle de deux choses différentes, parce que là, on parle de préparation sereine, mais encore une fois, sur la dimension footballistique, sur ce que produit le PSG, évidemment... On n'est pas aveugle, il y a aussi des red flags. C'est les montagnes russes, hein, moi, je trouve. Il y a des red flags, à savoir que du côté du PSG, le volume d'occasion reste trop important sur les derniers matchs. Et ça, on occasions concédées, tu parles. Les occasions concédées, de la même manière que tes occasions créées, c'est aussi un volume très important. Mais moi, c'est davantage les occasions concédées qui me posent problème. Et sur un match de Ligue des Champions, ça peut évidemment poser problème. Et on n'a pas attendu un huitième de finale pour le voir. On l'a vu tout au long de la phase de poule. Évidemment que ça, ça peut être un red flag. Maintenant, on te parle de préparation sur ton approche par rapport à cet événement. Et là, je vois une équipe qui est routinière par rapport à ça. C'est un huitième de finale, ils vont enchaîner encore une fois pour la dixième année consécutive un huitième de finale. Depuis que le Qatar est arrivé, donc on parle de 11 huitièmes de finale, parce qu'ils n'étaient pas là la première année. Donc c'est quand même un chiffre qui est conséquent. Parce que là, on est en train de présenter une équipe qui va massacrer la Real Sociedad. Non, je ne parle pas de vous. Je ne sais pas si la question que je pose est dans ce style-là, mais c'est plus de se dire que cette équipe-là, même si elle a des failles, au moins, il n'y va pas à l'aveugle. Je me rends en comparaison notamment avec l'année dernière, où je ne sais pas si vous vous rappelez, de la composition d'équipe face au Bayern le jour même. Là, c'était Bob Galtier, le bricoleur. Galtier avait mis un 4-4-2 à plat avec Neymar oui, Messi, qui avait été imaginé, et Zaïre Emery à milieu droit. L'année dernière, tu avais la blessure de Mbappé, tu avais le facteur Bayern Munich. Ouais, c'est ça. Je pense que tu n'as... C'est un climat beaucoup plus anxiogène que la Real Sociedad. Je pense que si tu as un gros tirage là, tu joues City ou tu joues une grosse équipe, c'est pas aussi serein qu'aujourd'hui. Il y a, un paramètre sur lequel vous allez peut-être être en accord, c'est que contrairement, j'ai pas de souvenir récent de me dire que c'était le cas, on a l'impression que le 11 est quasi sûr. Il y a une seule interrogation, je vous montre la composition probable du Paris Saint-Germain. La seule interrogation, c'est de savoir si c'est Fabien Ruiz qui va débuter ou si Vitinha va descendre d'un cran et c'est Asensio qui va débuter à sa place, ou Garté potentiellement à la place de Fabien Ruiz. Mais sinon, les autres, ça ne bouge pas, quoi. Est-ce que là-dessus, ça donne un peu plus de gage, de confiance potentielle dans un schéma qui a été travaillé en plus depuis un mois et demi, 2 mois. Il y a des éléments qui sont très importants, la récurrence et la consistance. La récurrence, elle-là, tu l'as à partir du moment où tu peux continuer de t'appuyer sur un 11 bien défini. Et ça, pour moi, c'est un privilège pour une équipe, parce qu'on a évoqué beaucoup d'équipes en Europe qui n'ont pas justement cette récurrence, cette consistance, à commencer par le Real Madrid qu'on a évoqué hier soir, le Barça, même Manchester City. Du côté du PSG, on touche du bois. T'as pas été fortement impacté par des blessures en cascade. Alors oui, il y a bien évidemment la blessure de Skriniar qui est l'ombre au tableau, mais à côté de ça, du côté du PSG, notamment pour ton secteur offensif, tu peux t'appuyer sur de la continuité. Et à partir du moment où tu peux capitaliser sur cette forme de continuité, et ben c'est une équipe qui est en confiance, parce que c'est une équipe qui peut avoir davantage d'actions, qui peut avoir davantage de buts et qui peut avoir davantage de victoires. Il y aura quand même une interrogation par rapport à Achraf Hakimi et notamment son duo avec Ousmane Dembélé, parce que mine de rien, la dernière fois qu'ils ont évolué ensemble, c'était contre Toulouse. Ça date, c'était le trophée des champions. C'était le trophée des champions, donc faudra voir comment Hakimi va revenir à la compétition et qui plus est sur un match de Ligue des Champions, ses affinités avec Ousmane Dembélé, mais sinon dans la globalité, on voit une équipe qui avance en ayant le sentiment qu'elle travaille.
On nous dit, c'est quoi cette compo impossible, Hakimi en 6 avec ballon, c'est ça, quoi. Non, non, en fait, Hakimi a une position théorique de latéral, de latéral droit, mais il rentre rapidement à l'intérieur, en fait. Ouais. C'est surtout pour ça. Walid, est-ce que tu y vois au moins un gage de, oui, de sérénité, c'est le mot, pour dire que bah, cette compo, elle est travaillée depuis, je crois, c'est le match à Lille, donc c'était fin décembre, mi-décembre, entre la mi- et la fin décembre, et que le schéma ne bouge pas trop et les individualités ne bougent pas trop. Ah si, il y a quand même les individualités qui ont bougé. Il y a des matchs sans Dembélé, il y a des matchs sans Hakimi. Dembélé, qui n'a pas beaucoup joué sur moi. Oui, mais c'est plus de la rotation plutôt que de... On a quand même dit... Que de la concurrence, quoi. Oui, enfin, on a quand même... Hakimi est parti à la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a eu des problèmes aussi à gauche où Lucas Hernandez a joué quand même pas mal de fois en défense centrale. Là, finalement, il va rejouer. Mais Radon, chez les 3 fois 90 minutes. Il va rejouer axe gauche. On avait quand même une équipe, entre guillemets, avec Ugarte ou avec Vitinha au poste de numéro 6. Je rappelle que contre, contre Dortmund, notamment contre Toulouse aussi, il utilisait Vitinha en premier relanceur. Là, maintenant, c'est Fabian Ruiz. Voilà, on a eu aussi, on l'a dit. Enfin, Fabien Ruiz était blessé, hein, il avait son truc à. Il aurait pu faire jouer Ugarte au poste de numéro 6, il était souvent sur le banc. On peut rajouter aussi le fait que le meilleur match que tu as vu sur cette période-là, c'est avec une rotation très très importante, avec des joueurs comme Asensio qui ont beaucoup joué au milieu de terrain. Moi, je pense que sur la première mi-temps contre Brest, en championnat notamment, Asensio au poste de milieu de terrain avait été très bon. Là aussi, récemment, était plutôt intéressant. Asensio n'est pas là. Et c'est qui? C'est Vitinha qui joue un peu à sa place. Vitinha redescend et va dans cette, comme un peu comme tu le disais, comme contre Dortmund, etc. Et il est dans un peu plus bas avec Hakimi qui reviendra. Et dans les deux milieux offensifs, tu as Zaïre Emery et Asensio. Soit Vitinha monte d'un cran et c'est Fabian Ruiz qui... J'ai vu Zaïre Emery jouer dans le rôle de Hakimi pendant toute la Coupe d'Afrique des Nations. Là, aujourd'hui, il repart dans son rôle habituel qu'il a eu en début de saison, notamment où ça fonctionnait bien. Donc, tu vois, quand tu dis qu'il y a eu très, très peu de changements, moi, je le vois pas. Alors, peut-être que ce n'était pas voulu par Luis Enrique parce qu'il y a eu des blessures, des départs à la CAN, etc. Il y a une distinction entre la concurrence de joueurs qui vont jouer pour un poste. Oui, d'accord. Mais au final, on n'a pas eu à chaque fois des compositions d'équipe qui ressemblaient à celle-là ce soir, même dans la dynamique récente. Encore plus, il y a 3 jours contre Lille où tu as fait un super match. Donc moi, je répète, moi, j'ai des zones positives sur le Paris Saint-Germain, mais la réalité, c'est que je reste prudent, moi. Je reste prudent parce que ce soir, il va falloir que cette équipe-là nous montre qu'elle est sereine. Et j'ai pas envie de passer pour un con ce soir. Dans l'absolu, tu affrontes une équipe qui a terminé première de sa poule. Ouais. Ça, faut le rappeler. En juin, la finale contre l'Inter, là-bas. Ouais. Mais en même temps, t'as tout à perdre, en fait. Statut. Alors, c'est intéressant, parce que tout à perdre, ça va rentrer dans l'aspect mental. Et si on parle de l'aspect mental, c'est la deuxième partie de l'émission. On va parler de Luis Enrique, de ce que Luis Enrique disent-ils comme discours depuis quelques jours. Je vous montre la déclaration qu'il a eue d'abord hier en conférence de presse, quand on lui a dit qu'il essayait de dédramatiser. Il dit « Il ne s'agit pas de protéger mes joueurs, mais de vivre au mieux une compétition de haut niveau. On est à un moment lors duquel on dispute les matchs les plus importants, ceux que l'on attend depuis le début de la saison. La meilleure manière de bien les aborder est d'être tranquille. » Ça fait écho à ce qu'il disait également, et je vous montre l'autre déclat en conférence de presse après le match face à Lille. Ça fait 3 semaines qu'on parle de cette Ligue des Champions, comme s'il n'y avait que ça, comme si c'était la vie ou la mort. Ce n'est pas le cas. Il faut être tranquille, avoir envie, mais sans pression, sans anxiété. On ne peut pas se dire « Mon Dieu, il n'y aura pas le lendemain si on perd. » Calme, on va profiter de la Ligue des Champions, et puis si l'adversaire est meilleur, on applaudira. Est-ce que vous avez l'impression que Luis Enrique distille une forme de tranquillité, essaye, en tout cas, d'amener un peu de tranquillité. Oui, parce qu'à un moment donné, il faut dédramatiser l'enjeu. Alors oui, il est question d'un 8e de finale de Ligue des Champions, mais il est question que d'un 8e de finale de Ligue des Champions. À savoir que, quand bien même tu battrais la Real Sociedad, la route serait encore longue pour arriver à Londres.
Donc par rapport à ça, du côté de Luis Enrique, il est parfaitement dans son rôle quand il explique qu'à un moment donné, et c'est souvent ce qu'on reproche notamment autour du traitement côté PSG, valorisons ce que fait le PSG à travers ses matchs de championnat, à travers ses matchs de coupe, plutôt qu'à chaque fois d'évoquer le huitième de finale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a parlé de la récurrence du 11 type, même si, encore une fois, il y a eu des changements au cours du mois de janvier pour des raisons annexes, à savoir les départs à la CAN, les blessures, les suspensions, etc. Valorisons plutôt le processus plutôt qu'à chaque fois d'évoquer le rendez-vous. Et c'est pour ça que Luis Enrique, il explique qu'en fait, il faut aborder ça avec tranquillité, mais aussi avec énormément de concentration, parce que à un moment donné, quand tu vas arriver sur la Ligue des Champions, évidemment, tous les joueurs seront à 100%. Mais ce n'est pas pour autant que tu dois avoir une pression négative qui doit entourer le PSG. Ouais. Walid, est-ce que tu as l'impression que ça peut déteindre positivement sur le Paris Saint-Germain, qui est un club, on ne va pas se mentir, qui mentalement a montré quelques défaillances et qui, dans l'abord des rencontres importantes, a plus failli que réussi? Non, mais pour moi, il a le bon discours. Après, il faut aussi savoir que sur la deuxième déclaration, je pense qu'il dédramatisait parce qu'il faisait comprendre qu'il a connu des épreuves dans sa vie, notamment, où, voilà, la Ligue des Champions, une élimination en Ligue des Champions. C'est pas une question de vie ou de mort. Voilà, c'est pas une question de vie ou de mort. Quand il parlait, je pense qu'il parlait de sa fille qui est décédée, notamment. Oui, il a raison. Moi, je pense qu'il a le bon discours. Maintenant, après, la réalité, c'est que si ça se passe mal, Louis Henry, on n'applaudira pas l'adversaire. Et un huitième de finale, comme vient de le dire Elton, là, moi, je fais un pas de côté. C'est pas rien du tout pour le PSG. C'est-à-dire que l'échéance huitième de finale, c'est un obstacle quand même qui a été souvent fatal au Paris Saint-Germain. Et que encore plus cette année, où pour moi, tu as eu le meilleur tirage depuis les années Bayer Leverkusen, Valence. Donc, il faut remonter, je pense, les deux premières années de les deux premières années, tu as une immense opportunité pour aller en quart de finale, surtout en ayant terminé deuxième de ta poule. Donc là, il y aura encore beaucoup moins d'excuses que sur les années précédentes. Et encore, sur les années précédentes, vu la hauteur du Paris Saint-Germain, la masse salariale, tout ce que ça comportait, il y avait déjà très, très peu d'excuses par rapport à la manière dont tu étais éliminé. Qu'importe l'adversaire, tu jouais. Donc oui, moi, je trouve le discours bien. Il dédramatise, il apporte de la sérénité, il n'y a aucun problème. Mais après, le bilan restera le bilan. Ouais, c'est pas parce qu'il nous dit ça que, ouais, ça va atténuer éventuelles critiques. Exactement. Et d'un point de vue mental, est-ce que, Lewin Ami, vous pourrez répondre à cette question? Luis Enrique peut-il corriger les défaillances mentales du PSG? On prend comme ça parce que... Mais c'est une interprétation vaste. En plus des déclarations de Luis Enrique, on a eu aussi ces entraînements en public qui ont été faits dimanche notamment, où bah là, on avait plutôt l'impression que les discours des joueurs n'étaient pas trop en adéquation avec ce qu'avait dit Luis Enrique. On avait l'impression que c'était un caractère événementiel, alors que Luis Enrique veut plutôt normaliser. Est-ce que... Il y a aussi le comportement de certains supporters qui l'ont montré, ça. Oui, mais ça va avec. Mais quand je dis du PSG, c'est un tout, hein, c'est un écosystème. Hein. Ce n'est pas que les joueurs, c'est le club, c'est tous les supporters également. Est-ce que tu penses, Elton, que Luis Enrique, qui a cette expérience-là, vainqueur déjà de la Ligue des Champions, qui a connu aussi en tant que joueur pas mal de succès, il peut corriger cette manière de penser du club? Bah, c'est son rôle, c'est sa mission, parce que quand le PSG a dans l'idée de recruter Luis Enrique, qu'est-ce que dit le PSG par la voix de Nasser Al-Khelaïfi, un entraîneur qui a gagné la Ligue des Champions, qui connaît cette compétition? Et Luis Enrique ne disait pas autre chose lorsque, à l'occasion de cette conférence de presse, il mettait en avant cette expérience. Bon, même si, encore une fois, ça commence à remonter, ça fait 2015, c'est donc 9 ans. Maintenant, pour autant, Luis Enrique, dans cette capacité justement à rendre compétitif le PSG, eh ben, automatiquement, tu as la dimension mentale qui est intégrée, notamment cette préparation spécifique par rapport à un match de Ligue des Champions, ce savant dosage entre « oui, c'est un match de Ligue des Champions, mais faut pas non plus se mettre trop de pression négative ». Donc par rapport à ça, sur les défaillances mentales, on va attendre Luis Enrique sur des moments très importants, parce que on l'a vu hier, même pour un match du côté du Real Madrid, il y a des moments bascules dans la Ligue des Champions où ton équipe, elle va être ballottée, et c'est là où il va falloir faire preuve de personnalité. C'est-à-dire, dès que l'adversaire va contrecarrer tes plans, comment tu vas réagir par rapport à ça? Dès que l'adversaire va te mettre dans un état de pression maximale, comment tu vas réagir à ça? Et ça, on l'a vu, le body language de l'entraîneur, sa capacité justement à diffuser un discours qui se veut positif dans ces moments-là, ne pas être rattrapé par la pression. On l'a vu avec des anciens entraîneurs du PSG.
Tout ça, c'est un prérequis pour Luis Enrique au moment d'aborder la Ligue des Champions. Donc évidemment, Luis Enrique, il est attendu dans cette capacité justement, sur le jour J, à apporter une réponse à tous les niveaux pour son équipe, aussi bien footballistique que mentale. Walid, tu crois ou pas à ce que Luis Enrique arrive via son discours et via ce qu'il va faire? Parce qu'il y a aussi toute une histoire de... Il n'y a pas eu de préparation de match chamboulé, ça a été préparé comme un match normal. Est-ce que tu y crois pour amener un peu plus de... Ouais, de sérénité et moins de défaillance mentale. Mais bien sûr qu'on y croit. Si on n'y croit pas, face à la Real Sociedad, en fait, le Paris Saint-Germain n'a rien à faire dans cette compétition à un moment donné. Je sais pas, j'ai l'impression que là, on parle d'un rendez-vous contre Manchester City, avec tout le respect que j'ai pour la Real Sociedad. Oui, c'est ça. Si, encore une fois, un coach n'est pas capable d'apporter de la sérénité avec ce qu'il a travaillé sur les 6 premiers mois pour au Parc des Princes, en plus, là, on parle pas du match retour, on parle au Parc des Princes pour faire un grand, grand match, bah, là, on serait... Qui, à part l'année dernière, historiquement, le match aller, ça a plutôt bien fonctionné au PSG. On se serait quand même globalement... trompé, quoi. Si je te réponds non, y croire. En plus, tu me poses la question de y croire. Non, corriger les croire pour pas croire au PSG face à la Real Sociedad, croire qu'il peut corriger les défaillances mentales globales du club. Globales, c'est-à-dire dans toute la compétition. Ouais, non, dans l'abord des rendez-vous importants, quoi. On le rappelle, mais Luis Enrique a un impact, mais qui peut rapidement être relatif, notamment sur cette question, parce que au final, ceux qui sont sur le terrain, c'est bien les joueurs. Hein. C'est-à-dire cette capacité, justement, à rester aussi connecté à ce que demande la Ligue des Champions. Et ça, je te dis ça, mentalement, ça peut être très compliqué. Quand tu sens que tu peux être éliminé, quand tu sens que t'es pas bien, il y a des joueurs qui peuvent plonger. C'est-à-dire que Luis Enrique, il est là pour leur apporter une aide. C'est plus de ça dont on parle. Est-ce que des joueurs qu'on a vus habituellement plonger, par exemple le capitaine, voilà. Est-ce que ce discours-là peut essayer de changer ça, quoi? Ouais, parce que je te donne un exemple bien concret. Face à Newcastle, tu as Luis Enrique, il passe son temps à gueuler sur Marquinhos pour prendre plus d'initiatives balle au pied. C'est pas pour autant que Marquinhos, il l'a fait. Oui, non, tu vois ce que je veux dire? Il a montré aussi qu'il est toujours un peu défaillant. Oui, l'entraîneur est là pour apporter une aide, il est là pour apporter une réponse, mais la réponse, elle doit être validée par les joueurs sur le terrain. Walid, t'es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec ça. Maintenant, encore une fois, si on a besoin d'être rassuré sur les défaillances mentales du PSG à la maison contre la Real Sociedad, on part quand même de très, très, très loin. Quand je répète, à la maison, parce que pour moi, le gros problème du Paris Saint-Germain est souvent à l'extérieur. Et ce n'est pas qu'un problème mental, c'est un problème aussi de jeu et de football. Luis Enrique peut-il corriger les défaillances mentales du PSG? Le non l'emporte, 57%. Voilà. On va passer à Manchester City. Et on va parler du match hier face à Copenhague. On voit ça dans Place au Terrain. Le deuxième match de la soirée d'hier, puisque le débrief de la rencontre du Real Madrid et de la victoire du Real à Leipzig est donc déjà disponible sur la chaîne. Vous pouvez aller le voir si vous voulez. Et donc, on va parler de Manchester City face à Copenhague. Victoire 3-1 des Citizens. Je vous montre les statistiques de cette rencontre. 3-1 pour Manchester City. Ça aurait pu être bien plus large. Bien, bien plus large. Alors certes, en expected goals, on est à 3,53, donc c'est à peu près équivalent. Mais 27 tirs hier pour Manchester City, 13 cadrés. Super match du gardien de Copenhague. Grabara qui fait Ligue des Champions, qui est quand même de très, très, très grande qualité. Il a défini à Wolfsburg, si je ne dis pas de bêtises. Quasiment 80% de possession, 119% de possession pour les Citizens. Kevin De Bruyne a marqué, non? Ouais. Ouais, bravo, bravo Walid. Si on fait un petit écart Club des 5, bravo pour Walid qui avait pronostiqué le but. D'ailleurs, Kevin De Bruyne. Bravo pour Elton qui avait pronostiqué la victoire de Real Madrid. Voilà, on n'attend que moi qui ai dit Barcola. Et on en... D'ailleurs, je ne l'avais pas fait qu'au Club des 5, je l'avais fait aussi ici, hier matin, si tu l'as avais dit. Parce qu'il y avait avec Manu, j'avais donné Kevin De Bruyne buteur. J'avais donné le but de Brahim Diaz aussi. Bravo à toi. Du côté du Real Madrid. Bravo. Et j'avais mis les deux équipes marques pour Manchester. D'ailleurs, City. Kevin De Bruyne qui est devenu le 4e buteur le plus prolifique en phase éliminatoire de Ligue des Champions avec les joueurs en activité, derrière bien évidemment Haaland, Benzema et Lewandowski. D'accord. Bravo. Bravo à Kevin De Bruyne. Ce qui est quand même une performance quand tu as un milieu terrain, c'est 10 buts en phase éliminatoire de Ligue des Champions. Est-ce qu'on aurait pu avoir un...
4, 5, 6-1 facile hier, Alton. Non, bah, parce qu'en même temps, tu as un gardien en face. Tu as un gardien qui a droit aussi d'être décisif. Tu as des occasions du côté de Manchester City. Donc moi, je pense qu'ils vont se satisfaire du 3-1, qui est quand même d'une bien meilleure importance. Parce que le 2-1, alors même si je pense qu'à Manchester City, à l'Etihad, pardon, ils les auraient pliés, tu vois, c'est quand même mieux de repartir avec un 3-1 par rapport à tout ce qu'ils ont donné sur le terrain. Parce que là, on est sur un vrai bon match à l'extérieur en Ligue des Champions. Il y a beaucoup de gens qui se sont moqués de Guardiola quand il a annoncé une rencontre qui serait équilibrée. Parce que je me suis moqué de lui, moi. Ouais, parce que c'est vrai que Pep Guardiola, il a toujours un grand respect pour les adversaires. Et donc, tu vois, il va prendre des vessies pour des lanternes. Ouais. Et donc, par rapport à ça, il va toujours faire grandir la valeur de l'adversaire. Mais toujours est-il qu'à un moment donné, Copenhague est revenu un partout. Et ça n'a pas empêché Manchester City. C'est quand même un cadeau de Manchester City. C'est un cadeau de Manchester City, ça n'a pas empêché. On va y revenir. Tu sais, il y a d'autres clubs, notamment un voisin de Manchester City, qui a offert des cadeaux, ils s'en sont jamais relevés. Et contre Copenhague d'ailleurs. Contre Copenhague, c'est pour ça que j'ai dit. On estime quand même qu'entre Manchester United et Manchester City. Et c'est bien pour ça. Et c'est là où je voulais en venir. C'est là où je voulais en venir. Ça n'a pas empêché Manchester City de reprendre sa marche en avant, de mettre rapidement ce deuxième but avec Bernardo Silva et continuer d'appuyer sur les faiblesses. Les faiblesses bien évidentes du côté de Copenhague, parce qu'il est à un stade de la compétition qu'il ne pouvait envisager sur le papier. Ils ont mérité leur qualification 8e, mais c'est surtout Manchester City qui a défini le rapport de force avec ce volume d'occasion très important. Guardiola avait insisté sur le fait que tu lançais un nouveau tournoi sur 8e de finale. Il a évoqué ses expériences avec le Barça où il s'était pris les pieds dans le tapis face à Lyon en 2009, ce qui les a pas empêchés de remporter avec des champions, face à Stuttgart, etc., etc. Donc il connaissait l'importance de lancer ce nouveau tournoi et je pense que Manchester City a répondu avec la meilleure des manières. Et comme par hasard, et d'ailleurs c'est à faire office de transition, et bah t'as l'étoilier qui revient au bon moment. Et ça change beaucoup de choses. Juste, il y a les Winamy qui t'attrapent par le col, Lucien notamment. Parce que c'est vrai que si tu mets Benzema en activité comme ça, Cristiano Ronaldo il est aussi en activité. Et Lionel Messi il est aussi en activité. Pardon, je me suis trompé, c'est sur les 5 dernières saisons. Ah, sur les 5 dernières saisons, pardon, d'accord. Je me suis trompé. D'accord. Et Cristiano Ronaldo, malheureusement, les 5 dernières saisons en Ligue des Champions, il a un historique qui n'est pas forcément. C'est pas ouf. Donc, tu fais bien de préciser. En activité sur les 5 dernières saisons. Je vous montre la compo de Pep Guardiola hier. La compo avec Grealish qui a dû sortir assez vite et qui a été remplacé par Doku. Mais c'est vrai que quand tu as un trio de créateurs, Foden, De Bruyne, Bernardo Silva, Walid, quand même plutôt bien avancé dans une rencontre. Hein. On est quand t'as ce trio-là, quand t'as un Haaland qui... Bah oui, la vie, elle est... Revient, c'est quand même plutôt... J'admets, hein, il y a les systèmes de jeu de Guardiola qui font que ça maximise les capacités de ces joueurs-là. Mais c'est quand même plus facile de les avoir avec toi. Ah, bien évidemment, la vie elle est beaucoup plus facile, surtout quand on connaît la forme de Foden, le retour de Kevin De Bruyne, est-ce que Bernardo Silva était capable de faire en première partie de saison. Tu rajoutes à ça Rodri, qui est capable de les trouver dans les meilleures conditions. Rodri qui n'a pas perdu depuis un an. Ouais, les mouvements d'Haaland qui prend un ou deux joueurs dans la surface de réparation. Il a failli me faire une retournée acrobatique. Ah ouais, ça c'est fou. Elle part super loin. Hein. Ouais, elle part super loin. Mais la prouesse physique d'aller la chercher super haut là. Je me suis dit, là, on est dans Shaolin Soccer là en fait. Non, mais le but aurait été complètement dingue parce que c'est un renversement de jeu de Rodri. Ouais. Ouais, Doku qui l'a donné à Haaland et en 3 touches, les mecs, ils t'auraient assassiné le gardien de Copenhague. Donc oui, bien sûr, c'est. Ça, c'est le football, quoi. C'est le football qu'on aime. Peut-être que le football n'est pas mort quand on voit ce trio-là. On rajoute à ça Rodri, on rajoute à ça un Doku qui a dans un style différent. Ouais, parce qu'il a remis en fait l'animation offensive quasiment de la phase éliminatoire de l'année dernière avec Grealish pour avoir plus de contrôle, mais le pauvre Grealish est blessé. Après, avec des changements d'hommes quand même, parce que Foden. Foden prend la place. Numériquement, c'était à la place de Gundogan. Mais... Ouais, c'est Gundogan en fait. Ah, moi, je l'ai trouvé plus sur le côté. Mais il était plus. Enfin, non. C'est plus Bernardo qui prenait la place de Gundogan. Il prend la place de Gundogan. Maintenant, Bernardo Silva fait le Gundogan. En l'occurrence, c'est Foden. Moi, je trouve que Foden fait le travail de Bernardo Silva de l'année dernière. Non, mais c'est ce que je veux dire en fait. On dit la même chose, à savoir que Bernardo Silva est déguisé en Gundogan. Je dis ça avec des guillemets. Et Foden prend la place de Bernardo Silva. Et j'aimerais bien voir, moi, inverser les deux. Genre avec Foden dans l'axe. Alors, je pense que Guardiola, il a besoin justement de cette capacité de changer de rythme dans les derniers mètres pour Foden et surtout cette capacité à être clinique et décisif. Mais quand on voit. Alors, le but de De Bruyne, c'est ça. Hein, ouais. Mais quand on voit dans les 3 buts notamment,
Bah, c'est ça, ça démarre de Foden souvent sur le côté. Et tu as soit Bernardo Silva, soit Kevin De Bruyne qui est capable de s'insérer entre le défenseur central et entre le latéral. Et derrière, d'avoir la finition parfaite. Et dans le troisième, c'est la même chose. Foden qui lance. La passe de De Bruyne sur le troisième, c'est une dingue. C'est sur le deuxième, pour moi, c'est pas une passe. Tu vois rien, en fait. Pour moi, c'est pas une passe décisive. C'est pas une passe décisive. Non, le deuxième, il fait pas exprès. Mais on a un danger qui est permanent et on a une intelligence de jeu qui est assez redoutable. Après, voilà, je vais pas faire le pisse froid, mais contre Copenhague, aujourd'hui, on n'est pas. C'est pas forcément là où on les attend. Ouais, on n'est pas surpris par Manchester City. Quoi. Non, mais il y a eu du sérieux du côté de Manchester City, mais voilà, c'est un minimum. Quand tu es champion d'Europe en titre. Alors, moi, je vais faire le pisse froid. Vas-y. Et notamment sur le but encaissé par Manchester City. Avec cette passe décisive d'Ederson, quasiment, ce dégagement raté. Et je vous pose la question, les Winami, de savoir si Ederson est le maillon faible de Manchester City. Et vous répondez par oui ou par non. Elton, on sait que Ederson est un gardien d'ordinaire habile avec ses pieds, que Guardiola l'a pris notamment pour ça, qu'il l'a façonné au fur et à mesure pour ça. Et l'année dernière, Ederson fait une super saison avec Manchester City. Le but d'hier, c'est inhérent à un gardien de ce style-là? Ou est-ce que tu vois une vraie faille? Alors moi, j'ai souvent été très dur avec Ederson, mais l'année dernière, il a été déterminant en phase éliminatoire de Ligue des Champions. Là, sur cette action, je pense que c'est inhérent à ce que demande Guardiola, à savoir l'importance du gardien à la relance. Et là, pour le coup, Ederson, je pense qu'il a un peu trop relâché, c'est toujours du Ederson, et que par rapport à soi, Copenhague l'exploite avec un bon pressing et surtout une très belle frappe. Tu vois, c'est pas comme si Ederson, il avait donné un ballon direct pour l'attaquant qui allait marquer. Enfin bon, il y a un 4 contre 2, quoi. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est dans la continuité de l'action, Copenhague marque. Donc on n'est pas... Quand il la donne, il y a 4 contre 2. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, tu vois, on est sur une classique, à savoir que Manchester City, pour déséquilibrer l'adversaire, doit se déséquilibrer en amont. Donc t'es en infériorité numérique dans cette zone et t'as besoin de compter sur un gardien qui va faire la passe, qui va tout changer. Malheureusement, la passe, ça change tout en faveur de Copenhague. Donc pour le coup, je pense que c'est une erreur manifeste, une erreur grossière d'Ederson. Maintenant, pour répondre à ta question, qu'est-ce que je veux dire par rapport à la saison dernière? Est-ce que c'est le maillon faible? Moi, ce qui me dérange plus du côté de Manchester City, bon, même s'ils ont corrigé le tir ces dernières semaines, c'est l'animation défensive qui prend quasiment un but par match. Et ça, notamment en Ligue des Champions, faut faire attention. Parce que là, c'était que Copenhague. Tu as eu le temps de reprendre ta marche en avant et de mettre deux buts derrière. Mais attention sur des matchs plus importants. Ouais. Je vous montre d'ailleurs les statistiques de Ederson et donc qui vont... Ouais, voilà, j'aime bien l'exemple de Gaël Dix. Sur l'analogie avec Victor Valdés. Ouais, c'est ça. Ouais. Les stats, c'est que j'ai mis les stats en PL et en Ligue des Champions. Il y a 27 matchs joués par Ederson, 26 buts encaissés, donc quasiment un par match. 40 arrêts, seulement 7 clean sheets sur ces 27 matchs. C'est quand même relativement peu pour une équipe du standing de Manchester City. Walid, est-ce qu'on doit se dire, pour avoir le jeu au pied d'Ederson intéressant dans le jeu global de Guardiola, il faut avoir des bourdes comme ça? Ou non, il fait une faute là-dessus et il doit se corriger là-dessus? Non, mais déjà, voilà, moi j'ai beaucoup critiqué Ederson l'année dernière. La réalité, c'est que sur la fin de saison, il a été déterminant pour Manchester City, et ça, faut pas lui enlever, notamment sur la finale de Ligue des Champions, où sans lui, je pense que Manchester City ne remporte pas cette Ligue des Champions. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, la réalité, c'est que moi, j'ai toujours des doutes sur son QI foot, que c'est un joueur qui est capable de faire des bourdes. Maintenant, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans le football mondial, il y a quand même beaucoup, beaucoup de gardiens qui en font. On avait fait un débat notamment là-dessus. Et la troisième des choses, c'est que moi, le jeu au pied d'Ederson, j'ai jamais été comme un dingue. Je trouve qu'il a un bon jeu au pied, mais je suis pas... il y a cette... ce qu'il faisait à Benfica, ce qu'il a fait à Manchester City, je crois notamment contre le PSG en demi-finale où derrière Florenzi, il fait une espèce de jeu au pied complètement dingue là, qui amène un but, je crois c'est sur Mahrez, où il aspire tout le monde, etc. Mais c'est pas... je trouve qu'il a beaucoup de force au pied, une bonne précision, mais la réalité c'est qu'il y a quand même parfois aussi des manquements de sa part, alors peut-être parce qu'aussi il y a un jeu à risque, mais il y a des moments où je trouve pas si bon que ça, il y a des moments où je trouve très très bon au pied.
Maintenant, la réalité, c'est que le maillon faible, c'est un peu dur aujourd'hui de le dire après un match contre Copenhague qui malheureusement pour les Danois, n'est pas préjudiciable. Et heureusement pour Manchester City, maintenant, il va falloir voir. Oui, mais tu es à la dernière minute. Hein, le... oui. Non, tu es à 2-1. Oui, oui, enfin, oui, mais bien sûr, City à domicile, 2-1, tu es tranquille. Mais globalement, sur les prochaines semaines, il va falloir être très, très vigilant dans des matchs qui vont être clés là-dessus. Mais moi, je vais pas tirer sur Ederson aujourd'hui par rapport au crédit qu'il a eu quand même sur la fin de saison de l'année dernière. Il y a aussi le facteur de quand tu as un bon jeu au pied au détriment de ce que tu peux apporter sur ta ligne et que ton jeu au pied faillit comme là, c'est beaucoup hier, plus visible. Bah, tout de suite, c'est un peu plus compliqué. Quoi. Là, c'est un peu plus compliqué parce que c'est évidemment, c'est quelque chose qui est beaucoup plus visible. C'est beaucoup moins impactant que l'attaquant ou plutôt l'ailier qui va se louper sur un contre un et dans la continuité de l'action, tu as un but en faveur de l'adversaire. Qu'est-ce qu'on va retenir ? On va retenir le fait que l'équipe adverse a remonté le ballon avant de marquer plutôt qu'il y a eu une erreur d'appréciation de l'ailier. Le gardien, à partir du moment où il est beaucoup plus proche des buts que les autres, et ben forcément, ses erreurs sont beaucoup plus manifestes. Donc, c'est en ce sens qu'Ederson est sous le feu. Même l'histoire du bon jeu au pied, oui, il a un bon jeu au pied, il est très bon jeu au pied. Maintenant, la réalité, c'est que moi, je trouve quand même que c'est quand même fluctuant et qu'il y a certains matchs, on n'arrive pas à le décrire, ça. C'est la même chose qu'avec Onana. Onana, son jeu au pied, notamment à l'Inter Milan l'année dernière, sur la finale, est exceptionnel. Il y a des moments où à Manchester United, je trouve son jeu au pied mid, quoi. Des fois, il est standard. Ramsdale, à un moment donné, avait un très très bon jeu au pied aussi. Finalement, tu te rends compte que Arteta, il préfère Raya dans son jeu au pied parce qu'il explique qu'il a un meilleur jeu au pied. Moi, je trouve que la comparaison entre les deux, sur certains matchs, ne me saute pas aux yeux, quoi. Donc voilà, globalement, oui, très bon jeu au pied, d'accord. non mais je sais pas si vous non mais par rapport au gratin c'est, on nous dit par rapport au gratin Meignan et Samba ont un meilleur jeu au pied. Samba, je l'avais trouvé notamment contre Arsenal extraordinaire balle au pied. Il y a des moments où il y a des matchs où je trouve moins bon, tu vois. Je sais pas, je trouve que les jeux au pied parfois, bah c'est plus qui dit ça, Fredo Gator, et des fois c'est fluctuant, quoi. Des fois, moi, quand je regarde des matchs, avec Ederson, c'est aussi une histoire de concentration. Non, mais là, je parle d'Ederson, mais je parle d'autres. Globalement, de tous les gardiens où on dit lui, il a un super jeu au pied. Bah, il y a des fois, je trouve que c'est pas si flagrant que ça dans certains matchs. C'est une appréciation qui est générale par rapport à une série de matchs, par rapport à ce qu'on voit habituellement. Après, c'est vrai qu'il faut quand même contextualiser les questions d'un match de Ligue des Champions où la loupe, elle est beaucoup plus grossissante, beaucoup plus importante. Et donc forcément, s'il y a une erreur, on va retenir ça. On ne va pas retenir le fait qu'en championnat, habituellement, tu fais avancer le jeu de ton équipe. Bah, c'est la Ligue des Champions. Hein. Ederson est-il le maillon faible de City ? Oui, il emporte à 62%. C'est peut-être un peu fort, maillon faible. Maillon faible, c'est... après, si... toute l'équipe est à un niveau, à un standard de niveau incroyable et qu'il y en a juste un qui est bon, bah, t'es maillon faible dans ce cas-là, quoi. Mais c'est dur quand même. Un nivellement vers le haut. On va terminer cette émission avec les coups à tenter du jour. Ça va être bien. Il y a deux matchs en Ligue des Champions. Ça va être cool. On va ça dans le coup franc. Alors, avant d'aborder le match entre la Lazio et le Bayern, match qui sent le soufre, notamment pour les Bavarois, ça va être cool, on va en parler tout à l'heure. Avant ça, on termine sur les codes de ce PSG Real Sociedad. Je vous les remontre, les codes du Paris Saint-Germain, 1,75. C'est quand même remonté, hein. C'est 1,78 même maintenant, si tu veux savoir. Et ouais. 1,78, 5,25 pour le match nul. 5,25 pour la Real Sociedad, 3,60 le match nul, parce que c'est plus 3,65, 3,60. Et 1,78 pour celle du PSG. Qu'est-ce que vous voyez sur ce match-là et quel buteur potentiel pouvez-vous voir ? Moi, tu veux que je te donne le... Vas-y, donne-moi le scénario, comme ça va plus vite. Ouais, moi, je vois 3-1 Paris Saint-Germain. Ouais. Doublé d'Mbappé. Ouais. But de Fabian Ruiz. Très bien. Alors, le but de Fabian Ruiz est à, je le dis, 7. Le score exact 3-1 est à 12,50. Et le doublé de Mbappé... potentiellement, il est à combien ? Il est à 5-10. Donc que des grosses cotes. Ouais, moi, je vois ça. Pas mal. Elton, tu vois quoi ? Alors, moi, je vois le PSG.
Ouais. Je vois le PSG à 1,75 parce que tu es à la maison et que même si la Real Sociedad, il faut quand même contextualiser, à savoir que ils sont sur 5 derniers matchs, ils n'ont pas gagné, ils ont pris 2 buts encaissés aussi. Donc c'est pas comme si c'était une équipe qui était à la dérive défensivement. Mais je mettrai quand même le PSG parce que à la différence de ce qui se présente en Liga, là je vais affronter une équipe qui a un énorme volume d'occasions si tu veux. Il y a Girona, il y a le Real Madrid. Bon, le Real Madrid, ça fait longtemps que tu les as pas affrontés. Mais si tu veux, le volume d'occasions en Liga est beaucoup moins important, logiquement, que ce qui peut être un match de Ligue des Champions. Et là, tu affrontes une équipe qui se base sur ça, avec notamment un référent comme Kylian Mbappé, avec Ousmane Dembélé, qui est très important, notamment pour l'animation du jeu parisien. C'est d'ailleurs vers Ousmane Dembélé que je vais me tourner. 4,50. J'ai envie de prendre un contre-pied. J'ai envie de prendre un contre-pied. Il n'a pas encore marqué en Ligue des Champions. Et bien justement, j'ai envie d'aller sur Ousmane Dembélé. Qu'est-ce que tu penses d'Ousmane Dembélé en ce moment au PSG ? Bah écoute, c'est un bon animateur de jeu du côté du PSG et je suis content pour son évolution. Oui, je suis content pour... Pas que, hein, c'est le premier déclencheur de pressing aussi. Oui, voilà, je suis content pour son évolution. C'est un joueur qui est en amélioration. Non, parce que je t'ai pas trop vu en parler. Ah non, parce qu'on me demande pas. Ah non, on me demande pas. Bon. Moi, on va te demander alors. Après, on me demande pas. On va commencer à te... Après, on ne demandait pas avant. Ouais, on faisait quand même. Ouais, on ne demandait pas avant. Bah si, on me demandait pas. Pour le critiquer, quand tu tweetais, etc. Non, alors Walid Acharchou. Non, non, mais attention, ne t'énerve pas. Qu'est-ce que tu penses de la saison Rafinha ? Tu veux balancer un peu de banane ? Non, pas du tout, pas du tout. Non, l'idée, ce n'est pas de t'énerver. On joue juste. Je te dis qu'avant, pour critiquer Dembélé, tu ne te faisais pas prier. Personne ne te le demandait, globalement. Tu prenais ton téléphone et tu tweetais. Il y a des raisons de critiquer, là, hein? Enfin, ah non, non, au contraire, je te parle du côté de la balance inverse. Je trouve que c'est un peu moins le cas que quand c'était de l'autre côté. Voilà, ouais, c'est de mon avis, parce que toi, t'es mon tweetos préféré. Ah ouais, donc moi, je te le dis, t'as même la cloche. J'ai même la cloche sur tes tweets. Donc je dis juste que... Après, sur Ousmane Dembélé, donc, pour donner mon avis global, je ne peux pas occulter le fait que la finition, c'est toujours la même problématique, à savoir qu'on parle d'un joueur qui a mis un but, mais qu'à côté de ça, la somme des occasions créées... Ouais, si il crée 4 buts par match, c'est pas très grave, quoi. Non, mais ça, pour être un joueur d'une classe supérieure, il y a aussi le volet but qui doit rentrer en compte. Bah, si tu crées des buts et que tu les marques pas, toi... Non, mais Romain, l'apport statistique, on peut pas l'occulter. Bah, si tu vois, marques pas, toi... C'est ça ton problème. C'est ça ton problème. L'apport statistique... Non, mais c'est ça ton problème. Il est meilleur passeur de Ligue 1. Ouais. Oui, mais ça, je l'ai dit. D'accord. Non, c'est pas une stat. Tu l'as pas dit. Mais c'est pas être décisif, ça. Ah, mais vous êtes. Ah non, 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 on te laisse. Vous êtes quand même incroyable. Non, vous êtes quand même incroyable. Vous êtes parti pour dire des bonnes choses sur Ousmane Dembélé. Voulez en fait que, en fait, ça se transforme en cabale contre Ousmane Dembélé. Non, pas du tout. Tu peux continuer à le dire. Non, j'ai juste dit que sur Ousmane Dembélé, quand bien même sur le volet statistique en termes de buts marqués, d'accord, en termes de buts marqués, je peux pas occulter le fait que ce soit pas bon statistiquement. Maintenant, à côté de la somme d'occasions créées, cette capacité à animer le côté droit. Eh ben, c'est un joueur qui est en progression, c'est un joueur qui est en amélioration, c'est un joueur qui est valorisé, considéré par Luis Enrique. C'est très bien pour Ousmane Dembélé. Moi, j'ai envie d'avoir une progression constante du côté d'Ousmane Dembélé pour qu'il aspire à être le joueur qu'on envisageait il y a quelques années. Maintenant, c'est bien pour Ousmane Dembélé et j'ai envie que ça se vérifie à l'occasion d'un match face à la Real Sociedad où il a quand même des états de service parce qu'il a déjà marqué à la Real Arena à plusieurs reprises. Il avait marqué en Copa del Rey la saison dernière. Donc, c'est un adversaire qu'il connaît bien, c'est un adversaire où il a l'habitude de stater. Donc, j'ai envie de voir Ousmane Dembélé à 4,50. Pizza qui nous dit Dembélé entraîné par Tuchel, ça serait dingue. C'est déjà arrivé. Hein. C'est déjà arrivé Dembélé par Tuchel. C'est pour ça qu'il dit que ça serait dingue. Ça serait dingue. Non. Il dit comme si ça pouvait être un mélange. Mais non, mais ça serait dingue parce que ce serait un retour. Ah, bah oui. C'est pour ça, toi. Moi, je sais pas s'il dit ça juste pour ça, pour le retour ou juste pour les profils qui matchent. C'est quand même incroyable. Ouais. Elton change d'avis comme de chemise. Donc, vous voudriez vraiment que... T'énerve pas. Moi, je retiens juste Georges qui dit Elton, il préfère la poterie. Je dis ça avec beaucoup d'affection. Tu nous as dit que tu préférais la saison de Rafinha. Quand j'ai dit ça... Non, mais parce que Ousmane Dembélé est bon et performant. On le voit chaque semaine. Non, mais c'est le meilleur du PSG, en fait. Non, mais on le voit chaque semaine. Ok, c'est le meilleur. Je te le donne. Okay. Je vais pas me battre sur ça. Non, mais voilà. Donc, en gros, par pure malhonnêteté, il faudrait que je l'attende au tournant. Je dise, c'est que la Ligue 1. On va attendre la Ligue des Champions. Enfin, tu fais ça comme si... Je l'ai jamais fait. Je l'ai jamais fait. Non, je l'ai jamais fait. Donc, il faudrait que... C'est pas une dinguerie d'imaginer ça. Donc, en gros, il faudrait que je fasse Red Charge sur ce qu'il fait en Ligue 1 et j'attende la Ligue des Champions pour aller tirer au mortier. Non, en fait, tu fais Red Charge, je trouve, sur ton compte Twitter.
Ah ouais, donc c'est devenu le compte de Ousmane Dembélé. Ah, non, c'est devenu non, compte. Non, j'ai dit juste que... Non, parce qu'il se trouve, Walid Achraf qui a eu la CAN. Donc ça, c'est un procès d'intention mauvais que tu fais. C'est un procès d'intention. Dembélé était bon avant la CAN. J'ai beaucoup plus parlé de la CAN que même du Barça. Dembélé, tu peux pas l'enlever. Dembélé était bon avant la CAN. Il a pas beaucoup joué pendant la CAN. Dembélé, j'ai parlé de lui. Ok, je vais taper Dembélé. Elton Mokolo. Maintenant, si Walid Achraf estime qu'il faut davantage parler de Dembélé sur un compte Twitter qu'en émission, libre à toi. On parle pas. Non mais libre à toi. Parce que, eh ben je sais ce que j'ai. Je n'ai pas parlé de Dembélé en émission. Elton. Là où ça compte. Le gars qui a fait les 3 heures de compil des meilleurs moments du WSC de nous faire la même pour les meilleurs retournements de veste d'Elton. Mais c'est pas. Oh, mais, non, je pense qu'il y a une durée max. Donc ça, je pense que ça va pas être possible. Vous savez quoi? Je vais rester dans la maladie intellectuelle. Je vais dire. Je réponds à Cred. J'en ai rien à faire. C'est la Ligue 1. Je suis en championnat de pitre. Et je vais attendre. La Ligue des Champions. Je réponds à Cred. Je réponds à Cred qui demande cette vidéo. S'il y a bien une personne qui défend la Ligue 1, c'est Elton Marvin Mokolo. Moi, je valorise les performances. Je réponds à Cred qui demande cette vidéo. J'ai pas à faire sur Twitter. Mais pourquoi pas faire. Mais pourquoi arrête de le chauffer, toi. Pourquoi tu le fais sur le fond de l'émission? Juste, là où ça compte. Mais non, juste je réponds à Cred qui demande cette vidéo. Parce que je pense qu'on va se limiter à une capacité. Il y a un nombre de durée max de vidéos. Et donc, je pense que la vidéo des retournements de veste d'Elton serait trop longue. Mais pourquoi tu veux. Donne-moi un exemple concret sur qui j'ai retourné ma veste. Allez, juste on passe à la radio. Sur qui j'ai retourné ma veste? Sur Twitter. Quand tu voulais critiquer Dembélé, tu t'attendais pas en émission de le faire. Non. Mais pourquoi? Après, c'est mon compte perso. Mais voilà. C'est mon compte perso. C'est pour ça que pour moi. Maintenant, si tu me lances. Maintenant, si tu me lances sur Dembélé en émission, je vais pas te dire au PSG, il est dégueulasse. Il est dégueulasse. En fait, Elton, c'est pas ça. C'est que ton compte perso veut montrer véritablement ce que tu veux qui faire. Qui tu es. Et ce que tu penses. Oui, et donc. Parce que c'est toi le chef édito de ça. T'as compris? Et donc, quand tu voulais critiquer Ousmane Dembélé, ton compte perso prenait beaucoup d'importance. Mais Walid Achraf, et je pose juste. Ouais, allez, c'est bon. Walid Achraf, toi, pour le coup, t'es malhonnête parce que tu sais très bien que sur le FC Barcelone, j'ai une analyse beaucoup plus personnelle que pour les autres. Voilà, on y vient. Je vais avoir on y vient. Personnel sur Rafinha cette saison, par exemple. Mais moins personnel. Pourquoi tu me parles de Rafinha? Rafinha, j'ai pas critiqué cette saison. Sur les joueurs du Barça, j'ai. Me dit Walid, il connaît trop bien Elton, il sait comment le démarrer. C'est trop facile. Beaucoup plus personnel. Alors que pour les autres équipes, il va avoir une analyse beaucoup plus globale. Ça, c'est vrai. Je le reconnais. Voilà. Mais très peu de tweets sur Rafinha. Allez, Lazio, on termine en 3 minutes. Lazio-Bayern, la cote de... Je vous montre la répartition des mises, si vous voulez. La répartition des mises avec le Bayern qui est à 92%, misé à 92%. La Lazio à 4, le match nul aussi est misé à 4%. Le Bayern est à 1,66. La Lazio est à 5,40, le match nul est à 3,90. Comment vous voyez cette rencontre-là? Est-ce que vous trouvez ça logique que le Bayern soit à 1,66? Ah oui, c'est quand même Bayern de Munich. C'est le Bayern de Munich. En Ligue des Champions, c'est quand même souvent solide, même si la dynamique, elle n'est pas folle. Moi, je vais être honnête, je n'ai pas regardé un match de la Lazio depuis très, très longtemps. Ouais. Donc, je vais redécouvrir la Lazio sur ce match-là. Mais je pense globalement que le Bayern de Munich va faire le travail. Ok. Ouais, la Lazio qui est sur un classement décevant en Serie A, 8e. Bon, même si à un moment donné, ils étaient dans la course pour la 4e place en Ligue des Champions. Mais là, ils ont un mois de janvier compliqué. Là, tu retrouves un 8e de finale. On l'avait déjà dit à l'occasion du tirage au sort. Tu as réussi ta mission en arrivant en 8e de finale. En face, tu vas affronter une équipe en quête de rachat par rapport à ce qui s'est passé face à Leverkusen. La pression est beaucoup plus importante autour du Bayern. Donc, victoire impérative pour le Bayern pour se rassurer et dissiper, enfin, même si ça va être très difficile de faire ça, de dissiper les doutes quant à la capacité du Bayern à remporter des titres cette saison. Pour te faire un petit résumé, Walid, la Lazio, c'est horrible. Voilà. Ils ont toujours Nesta et Nedved dans l'équipe. Ouais, ils sont toujours là. Parce que moi, dernière fois, avec Véron, Crespo. Ouais. Ouais, c'était pas mal. Ouais. Et Simone Inzaghi. Crespo au Lazio? Non, pas Crespo. Si, il a joué. Crespo, c'est Parme, non? Non, mais Crespo, il a joué à la Lazio aussi. Crespo, c'est Parme. Ah, j'ai pas d'image de Crespo. Il a jamais joué à la Lazio, Crespo? J'ai pas d'image de. Ouais, quand même. Ouais, quand même. Crespo, il a jamais joué à la Lazio. On a grandi avec Alessandra Bianchi, paix à son âme. Ouais. Il a jamais joué. Ouais, ça m'a foutu un coup, ça. Ah ouais. Ouais. Non, mais. Notre enfance qui. Crespo, non? Non, Crespo, jamais. Je suis en train de vérifier. Simone Inzaghi. 2000-2002, Lazio Rome. Après Parme et avant l'Inter. Merci. Ok, moi je l'avais pas. Merci. Moi j'ai juste posé la question. Non, mais moi j'étais pas aussi. Alessandra Bianchi, respectez un peu. Moi j'étais pas aussi tranché, mais je posais la question. J'ai pas de souvenir en tout cas, j'ai pas d'image de Crespo. Ah, mais tu sais que moi il y a la bascule, c'est Parme-Inter.
Il y avait Salah, mais, entre Parme et Inter, il y a deux ans, la Lazio. Mais moi, pour moi, dans mon cheminement, c'était Parme-Inter. Ben voilà. Il y a deux ans, la Lazio, entre-temps. Après, il fait Inter, après, il fait Chelsea, où il est prêté au Milan, avec la finale de 2005. Ah, c'est un prêt au Milan qu'il a quand il gagne. Ouais. Waouh. Puis re-Inter. Non, il gagne pas, il va en finale. Il va en finale. Ah, en finale, enfin, puis re-Inter, puis Genoa, puis re-Parme. Ok. Voilà. Voilà. Mais Hernan. Parme, c'était... Le grand Hernan. Ouais, ah, quel attaquant! Ouais. Quel attaquant! Allez, on va se quitter là-dessus. Merci Walid, merci Elton. On est désolé, PKO TV. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Une grossière erreur. Ah, les gars. Ouais, excuse-nous, PKO. Après, on n'est plus tout jeune. Hein. Ouais. Ouais. Justement, c'était quand tu étais jeune. Normalement, c'est là où tu as les meilleures mémoires. Mais bon. Si tu veux, la radio, c'était pas. Merci Arthur d'adore. Qui était en régie, qui a fait 5 petites minutes de rap, alors que je ne lui ai pas demandé. Merci à vous les Winamis, n'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus, ça nous aide énormément, vous êtes encore plus de 1300 sur YouTube, mettez-nous des likes et merci à tous ceux qui sont là sur YouTube, sur Twitch et sur le chat Wina. Rendez-vous ce soir pour la rencontre commentée entre le Paris Saint-Germain et la Real Sociedad et bien sûr le débrief dans la foulée. Belle journée à vous, belle journée foot. À ce soir. Et à ce soir, ciao. Salut. We'll be right back.